Et bonjour à tous et à toutes, c'est Web99, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une vidéo où je vais ouvrir ce que j'ai reçu aujourd'hui à 15h. Alors là il est 15h16 et que j'ai reçu à 15h. Alors c'est un colis. Alors j'ai pas. J'ai juste ouvert la boîte en carton et après j'ai pas ouvert ça, j'ai pas touché. Si, ben, j'ai touché, mais comme ça, juste porté. Alors c'était un colis que j'avais commandé samedi ou dimanche. Et en fait ce colis c'est un colis avec des accessoires GoPro. Alors je ferai sûrement une vidéo. Alors, je vais, c'est bien. C'est un colis où je sais plus ce que je disais. Oui, sur ce colis je vais vous montrer et je ferai sûrement des vidéos. Et je mettrai sur YouTube, je fais pas de vidéos quand je fais une vidéo tout ça. Moi je sais ce que j'ai commandé hein. Et je l'ai commandé sur Amazon. Et alors je l'ai pas commandé avec Amazon Premium, j'ai commandé avec Amazon normal. Par contre il a coûté, alors attendez, il a coûté 15 euros sur Amazon. Et par contre c'est c'est pas, comment dire, c'est pas de la vraie, c'est pour GoPro mais c'est qualité chinoise, on va dire, désolé les Chinois, mais c'est pas que votre truc c'est de la merde, mais c'est pas de la marque, juste c'est pas de la marque GoPro. Sinon c'est bien hein. C'est ça, c'est bien. Ben on va commencer. On va commencer par ce truc. Alors pas ce truc, en fait c'est un flotteur, je sais pas, quand je dis un flotteur c'est un bâton pour aller sous l'eau. En fait je vais vous montrer. Attendez, je vous montre ça là. Il y a même ça. Oh, c'est bien. Il y a un truc là qu'on met. Je sais pas si vous voyez. Et il y a ça, donc j'ai déjà. J'en ai en 10 milliards de fois. Et en fait, attendez, ça. Ça me vient. Ça. Vous mettez la GoPro là. Et comme ça, vous pouvez plonger sous le tout ça en tenant comme ça. Et au cas où, si la GoPro vous la lâchez, même si c'est une dragonne, mais imaginons que vous ne l'avez pas mis, vous la lâchez. Comme c'est un truc où c'est rempli d'air, la GoPro va remonter à la surface, parce que la GoPro, quand elle est sans rien, quand elle est comme ça, elle est juste avec le boîtier, elle coule sous l'eau et très vite en plus. Et comme ça, si vous faites de la plongée, tout ça, ben, comme ça, vous prenez ça, vous filmez, et voilà. Je vérifie si ça se met bien, ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Allez, on va tout dévisser. Juste dévisser, non, je vais le laisser comme ça. On va le mettre de côté. Alors, j'ai pas trop de place sur mon bureau, ça m'énerve un peu. Il y a ça, non, ça m'énerve pas, mais bon, vous savez quoi, on va le remettre dedans. Comme ça, c'est plus facile. Ah! Alors, je vous ai pas annoncé que j'allais recevoir ça parce que c'est pendant le week-end, j'ai pas fait de vidéo. Voilà, alors on va prendre le deuxième, on va prendre ça. Alors, ça, c'est un bâton. On va dans le sachet plastique, voilà. Ça c'est un bâton pour la GoPro. Alors je sais pas comment ça se met. Je sais pas comment ça se met moi. Je sais pas comment ça se met. De toute façon c'est, on peut le mettre, hein, ne vous inquiétez pas. Il faut que je regarde comment on fait pour le mettre, parce que là il n'y a pas de truc pour mettre la GoPro. Bon. Alors ça c'est un bâton de chez GoPro. Pff, bête. Un bâton pour la GoPro. C'est un bâton pas fait pour aller sous l'eau, je pense pas. C'est un bouton, vous savez, pour filmer comme ça. Bon, vous voyez pas, mais vous filmez. Quand vous faites du ski, quand vous faites de la moto, quand vous faites tout ça. Même du vélo. Je vais mettre. Et on va passer au troisième truc. Alors ça, bon. Ça c'est un truc que dès que vous achetez la GoPro, il y a ça. Mais ça c'est juste un petit truc. Hop, voilà. Bon. Voilà, vous avez vu. Si vous avez une GoPro, vous savez ce que c'est. J'en ai déjà un. Ça, ce que j'adore. C'est une attache au guidon. Pour la GoPro. Alors je vais vous montrer. Hop, voilà. Ah. Voilà. Alors, je reviens tout de suite, je vais prendre la GoPro. Alors, tout à l'heure, j'ai pas pris ma GoPro pour le truc jaune, là,
ce que vous avez vu au début de la vidéo, mais c'est pas grave. Là, je vais la prendre pour essayer et pour vous montrer. Alors, la preuve que j'ai une GoPro Hero 3. Je ne fais pas de placement produit pour la GoPro, pas du tout. C'est jamais, hein. Alors, juste, je vais vous montrer comment ça c'est. Alors ça, pour le desserrer, c'est comme ça, voilà. Vous essayez d'un sens et vous desserrez. Alors, j'ai jamais eu de truc comme ça. Ah, ok. Pardon. Alors, il n'y a pas beaucoup de luminosité. Pourtant, j'ai ouvert mes volets, mais on voit pas beaucoup. Vous desserrez un peu et après, vous pouvez écarter. Alors, le truc s'est barré là, ok. Ah, mais on peut carrément enlever. Ok, bon. Et quoi? Je sais pas comment j'ai fait. Ah oui, ok. Non, dessert, on fait comme ça. Une fois qu'on a bien resserré, dessert, on fait comme ça. On dessert. On prend le truc, hop. On est là. Et là, après, on resserre. Ouais. Et là, imaginons qu'il y a le guidon. Qu'est-ce que je pourrais prendre pour simuler le guidon? Non, on va prendre ça. Hein. Non. Ouais, bon, on prend ça. Pas grave. Par contre, il n'y a plus de soleil là. Ah voilà, il revient, et vous serrez, gnagnagnagna. Voilà, et là, ça va plus bouger, et vous serrez de l'autre côté. Ah bah 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 bah. Et voilà, bon, le truc il bouge encore un peu. Ah mais il est tellement fin que je peux pas le mettre. Vous avez compris, sinon, si vous l'avez, vous pouvez aller regarder des vidéos sur YouTube. Et après, la GoPro, il y a toujours un petit truc sur le boîtier. Vous le mettez là. Comme ça, et après vous serrez. Mais sauf que si vous mettez comme ça, comme le guidon, il est pas comme ça. Il n'est pas vernu et heureusement, il est comme ça. Votre GoPro sera comme ça. Mais comme quand vous achetez le truc, ils sont pas bêtes. Ils donnent ça. Et en fait, ça, vous le mettez comme ça. Et ça fait le truc comme ça. Je desserre. Voilà. Ah, mais il faut resserrer ici. Alors, le guidon, il est comme ça. Ok. Alors, vous prenez une vis, un truc là, vous resserrez, hop. Alors moi je vous dis, c'est le truc que je voulais vraiment, ce colis, c'est le truc avec le bâton, tout ça, c'est ce qui me plaisait le plus. Vous le serrez comme ça, et là vous pouvez mettre votre GoPro comme ça, et ça veut dire que là, le guidon il sera comme ça, et la GoPro, alors là je l'ai mis vers moi, alors vous voyez pas beaucoup parce que, voilà. Comme ça, ou sinon, là je l'ai un peu levé la caméra, sinon vous pouvez mettre de l'autre côté. Voilà. Comme ça. Et là vous mettez le truc au guidon. Là. Et là la GoPro filme vers l'autre côté. Alors, je vais mettre la GoPro à côté. Et je vais enlever ça. Et je vais le ranger dans sa petite pochette. Pardon. Hop. Alors je sais pas, moi j'avais pensé à faire deux vidéos parce que j'ai pas envie que la vidéo dure 300 ans. Vous savez, j'ai toujours l'expression débile 300 ans. Je sais pas si je regarde juste ce qu'il y a comme ça sans montrer à la caméra. Ah, il y a ça. Alors c'est quoi ça? Ah ouais, bon. C'est quoi ça? Je sais pas. Allez, on va montrer ça et on va laisser le meilleur pour la fin. Alors là, pour la fin. Pour, comment dire? Pour le vidéo précédent. La vidéo prochaine, pardon. Je peux pas parler. Alors, déjà, il y a ça. Bon, ça, c'est un truc. On peut tourner à 360 degrés, pardon. Je pense que ça va avec ce truc. Alors. Ce truc, auparavant, je ne le connaissais pas du tout. Mais pas du tout. Du tout. Alors, c'est quoi ça? What? Je regarderai des vidéos. Je monte un peu la luminosité, voilà. Ça, c'est... Comment dire? C'est un truc bizarre, voilà. C'est un truc bizarre. Si vous voulez que je le décris. Alors, on dirait que c'est un truc pour se filmer ou un truc dans le genre, vous voyez ce que je veux dire. Vous mettez la GoPro là. Alors, je vais mettre la GoPro ici. Je pense que c'est pour filmer quelque chose. Ou se filmer, je ne sais rien. Alors, oh, mais c'est bien, je vais manger avec les autres trucs. Ok.
On va voir les autres. Voilà. On va prendre un truc comme ça. Mais non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Voilà. Je vais pouvoir fixer ça sur la GoPro. Ouais, bon. Ah mince, ce truc, il est pas si long. Oh. Bon, je pense que vous avez compris. Alors, juste un autre truc. Hop. Bon, je prends le fun de tout aller chercher. Je mets la GoPro. Pourquoi? Alors, je prends le support de la GoPro. Imaginons que là, il y a la GoPro. Là, je m'en pousse. Et vous foutez. Pardon pour le langage. Hein, vous mettez, je veux dire. Comme ça. Vous enfoncez comme ça. Alors, le truc. J'ai pas envie de le casser. Alors. Comme. Attendez. Comme le truc il est tout neuf, c'est chiant à mettre. Ah. Bon, je pense que vous avez compris. Bon, je le ferai après. Alors ça c'est ça va là. Bon là j'arrive pas à l'enfoncer parce que comme le truc il est tout neuf, ça c'est chiant. Bon j'ai dit deux fois, mais c'est pas grave. Ah. Déjà il faut que je resserre ça. Voilà. Ça va déjà mieux tenir. Putain, j'arrive pas à l'enlever, hein. C'est horrible. De toute façon, je vais pas beaucoup m'en servir. Hein. Je vais... Aïe. Aïe, je me fais mal tout seul. Allez, sors, s'il te plaît. Oui, voilà, comme ça. Bon, c'est pas grave. On va le laisser. Bon, vous avez compris, je pense. Et le dernier truc par exemple, c'est ça. C'est un truc qui tourne à 360 degrés si je me trompe pas. Ah, ouvre-toi s'il te plaît, merci. Voilà, c'est un truc. Vous mettez la GoPro là et le truc qui tourne à 360 degrés. Bon, ça va être la fin de la... Ah, attendez, j'ai compris. Avant de dire que c'est la fin de la vidéo, ça, le bâton, ça va là. Regardez, si on visse. Tour de magie, voilà, j'ai compris, ok. Bon, ben ça va être la fin de cette vidéo. Ben, merci à tous et à toutes d'avoir regardé la vidéo. Il y en aura une deuxième pour finir ce que j'ai reçu et à plus pour une nouvelle vidéo.